Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous explique comment je suis devenu riche. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8 heures de verre luisant que je remplis de viande de chasse et de morue des montagnes. Champignons qu'on ramasse à la chasse. J'ai un peu de tomates. Les ailes sauvages. Les ailes sauvages et les mortiers moraines. Il y a ça, les mortiers. J'en ai deux autres ici. Ah oui, c'est ça. Les mortiers. Donc, j'ai mon jardin, je l'opère régulièrement, naturellement, et tout ce que j'ai dans mon jardin, ça va directement dans des fabriques de conserve. Fabriques de conserve qui sont plus rentables. Naturellement, je fabrique constamment des fils de soie qui payent bien aussi, 30 fils de soie. Vous voyez, 6 900, presque 7 000. Et naturellement, la nourriture, tout le monde, en taux de fête, sont les plus payants. J'en ai quelques-uns ici. 30 dans taux de fête, 8 400. Et tomates marinées, 1 500. La fabrique de verre, 2 500. Etc. Et c'est vraiment fabriquer des conserves avec notre jardin et opérer beaucoup de verre luisant, de fabrique de verre luisant. Ce soit très rentable. Le fil de soie, bien, ça serait payant si on aurait beaucoup de soie, mais disons que soit la chasse, les papillons, si t'en as beaucoup, mais sinon la soie, c'est sûr. On va en mettre un peu au coffre. Naturellement, c'est sûr que tout dépendant de ce que tu fabriques, la confiture, vous voyez, 2 600 pour les myrtilles, les tomates, 1 500. Déjà rendu à 50 000. Soixante et 10 000. Quand même bon. Et voilà. C'est mon astuce de devenir riche. Et merci de lâcher un like et de vous abonner. Allez, bon jeu!